La boîte à livres, vraiment, c'est super. Si je peux m'exprimer ainsi, parce que la maternelle, ce qui est bon, on dit c'est super. Quand la boîte à livres arrivait, je suis allée prendre un livre qui se nomme « Tenir dans la nuit ». J'ai appris grâce à l'enseignant qui est venu à la maison pour échanger avec mon père, pour l'informer de la boîte à livres. Et c'est ainsi que j'ai incité mon petit à y participer. Je suis partie à l'école et j'ai pris un livre pour lire. J'ai remarqué un grand changement d'ailleurs au niveau même de la lecture. Et cela lui a été profitable jusqu'au point où il y a eu une organisation de concours de dictée au niveau de la localité où il a été lauréat. J'aime lire parce que ça me permet de bien m'exprimer et de bien travailler à l'école. Avec la boîte à livres, ils ont l'opportunité d'avoir d'autres rêves, d'autres histoires, de nouvelles expressions et tout ça gratuitement. Les enfants qui ont participé à la lecture depuis ces vacances-là arrivent à s'en sortir. Ce sont ces enfants-là qui arrivent à participer depuis cette rentrée-là dans les différents niveaux que nous connaissons. Au niveau des résultats scolaires, je pense qu'il y a une très bonne amélioration. Et puis au niveau même de la lecture, il y a de l'engouement à la maison, surtout pour apprendre les leçons. Nous-mêmes, en tant qu'enseignants, ça nous aide. Parce que quand nous avons besoin des livres, c'est dans la boîte à livres que nous partons prendre des documents. Par exemple, Noël à l'orphelinat, la beauté en moi, le petit crocodile, bon, tout ça, en tout cas, ça nous a beaucoup aidé. Donc, ce n'est pas seulement que les enfants qui ont bénéficié, mais nous, on a bénéficié de ça. Ah ben oui, oui. Ah ben oui. L'arrivée de la boîte à livres ici à Binao a donné vraiment un boom au cœur des parents et au cœur aussi des enseignants que nous sommes. Vous chantez un peu.